Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'avril avec la pile des cartes. Avant de commencer cette pile des cartes, quelques petites informations pour vous et pour moi-même. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de ma pile des cartes du mois de mars, mais comme vous avez dû vous en douter, j'ai été beaucoup moins présente ces derniers temps. Je vais pas me trouver d'excuses, mais j'en ai. Pour ne pas avoir lu autant que d'habitude, j'ai lu autant en termes de quantité de livres, en termes de nombre de pages moins. J'ai fait pas mal de petites lectures à côté au lieu de lire ce que j'étais censée lire, mais j'avais pas la foi de lire des gros bouquins et les deux titres qu'il me reste dans ma pile des cartes sont des bouquins énormes. Un, principalement. Au mois de mars, j'étais censée lire La 25e heure de Feldrick Riva, le tome 1. C'était pour polar ou thriller. J'ai lu le chapitre 1, donc techniquement il est commencé, je devrais le compter comme lu, mais je sais que je ne le lirai pas. Je n'ai pas la force. C'est écrit minuscule rikiki. Donc même si j'ai commencé le tome 1, je vais enlever mon marque-page, je vais le remettre au début et je le reprendrai à un autre moment. Mais du coup, bah, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu le tome 2 de King of Scars de Leigh Bardugo, Le règne des loups. C'était pour la case de Friend Pick, c'est Diane qui l'avait choisi pour qu'on puisse le lire en lecture commune et terminer une série. Et le deuxième que je n'ai pas lu, vous devez bien vous en douter, c'est le tome 6 d'Outlander, La neige et la cendre de Diana Gabaldon. Je ne l'ai pas commencé. J'ai téléchargé l'audio, j'ai la version numérique sur ma liseuse, tout est prêt, mais j'ai pas envie. Et c'est terrible parce que la saison 6 est sortie et qu'on suit bien la série avec mon chéri, mais. Là, tout de suite maintenant, je n'ai pas la foi et je sais que je n'aurai pas plus la foi au mois d'avril, à moins qu'une révélation surgisse. Peut-être que je vais quand même me forcer à le lire pour ne pas me faire spoiler la série, c'est possible. On va voir. En tout cas, celui-ci, c'est mort pour le mois de mars, du coup. Par contre, j'ai effectivement lu Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pant, qui était dans ma pile des cartes pour un contemporain. J'ai également lu À la recherche des origines de Gigi et Carbone, le tome 3 de la boîte à musique, qui était dans ma pile à lire pour une lecture graphique. Et j'ai lu également Le petit précis de Champi Dragonologie de Xavier Colette, qui était dans ma pile des cartes pour un livre avec du foil sur la couverture. Et comme je n'ai pas lu deux titres sur les 6 que j'étais censée lire dans ma pile des cartes, vous devez bien vous douter que cette fois-ci je n'ai pas lu ma lecture VO bonus, c'est The Prison Healer, le tome 1 de Lynette Nonny. Je vais pas le laisser très loin. Petit suspense. Voilà donc le bilan de ma pile des cartes du mois de mars. Et on est parti tout de suite avec ma pile des cartes du mois d'avril qui. Bah vous allez voir en fait. Hein. C'est parti. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case foil. Donc on va repartir de cette case et on est parti tout de suite avec le premier rôle. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un livre de la Fairy Loot. Pour la case Fairy Loot, j'ai choisi de sortir The Shadows Between Us de Trisha Levenseller. Vous y avez cru, hein? vous allez vous dire du coup, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ce choix totalement aléatoire? Vous comprendrez à la fin de la vidéo. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui s'appelle, je ne sais pas. C'est pas très grave. Elle va participer à une compétition pour devenir la nouvelle épouse du roi, mais son but n'est pas d'épouser le roi parce qu'elle l'aime ou parce qu'il est beau et parce qu'il est riche, mais parce qu'elle désire l'assassiner pour prendre sa place. C'est une romance de la fantaisie avec le fameux scénario de la haine à l'amour que j'aime énormément. Et il vient d'être traduit en français chez Stardust, donc chez. Très hâte de le lire et vous comprendrez, comme je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo, pourquoi j'ai mis celui-ci précisément dans ma pile des cartes. Rôle numéro 2. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Welcome to hell. Je vais tourner le plateau. Et piocher la première carte de la pile Welcome to Hell. C'est un ensemble de critères de sélection pas très très sympathiques dans ma pile à lire. On est parti. Random livre addict. J'ai ouvert livre addict et je suis sur ma pile. Je vais lancer l'option un livre au hasard
qui se trouve ici, dans ma pile à lire. Le petit souci avec Livre Addict et le livre au hasard, c'est qu'il va me sélectionner un livre au hasard dans l'intégralité de ma pile à lire, même si je lui demande de ne sortir que les livres physiques. Donc, vous savez qu'un de mes objectifs, c'est de privilégier les livres physiques aux livres numériques. Et d'ailleurs, j'ai une case e-book, je crois, quelque part sur le plateau. Donc, je vais utiliser la fonction un livre au hasard, mais je ne sélectionnerai pas les livres numériques. Donc, ce sera le premier livre physique qui va apparaître, qui sera ma lecture. Et si c'est un tome d'une série que j'ai actuellement en cours, je choisirai le tome où je me suis arrêtée dans cette série, même si c'est pas ce tome précisément qui apparaît. Donc on est parti, première option. Ah bah. Indiana de George Sand, parfait, c'est une lecture physique, donc ça marche. Je suis tombée sur une case Welcome to Hell, c'est une sélection de critères de sélection dans ma pile à lire qui ne sont pas des critères très sympathiques. Et là pour le coup, on est tombé sur Random Livre Addict, c'est-à-dire que j'ai dû aller dans ma pile à lire totale sur Livre Addict, utiliser la fonction un livre au hasard et le premier titre physique qui apparaissait serait celui que je devais lire, et donc pas de suspense, vous l'avez vu, c'est Indiana de George Sand. C'est un classique, je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle, ça va être la totale découverte. Heureusement c'est écrit assez gros, par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marge, enfin de saut de ligne. Bon, si, y a quand même des dialogues, mais ça a l'air assez dense. Heureusement que c'est écrit pas non plus très petit. Voilà, donc totale découverte, ça va être un petit peu la surprise. Rôle numéro 3. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une réécriture. Pour une réécriture, j'ai choisi de sortir de ma pile à lire Circé de Madeline Miller. C'est une réécriture du mythe de Circé, le mythe de la mythologie grecque. Mythe de la mythologie, évidemment. Il est très très beau avec ce foil bronze comme ça. J'en entends énormément parler. Ça fait un bon gros moment qu'il est dans ma palle. Donc je me dis que ça peut être l'occasion de le découvrir, et ouais, j'ai très très hâte, je sens que ça va être beau, tout simplement, donc je suis hypée. Rôle numéro 4. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un livre avec un titre qui comporte 4 mots ou plus. Pour un livre avec 4 mots ou plus dans le titre, j'ai sorti Tant que le café est encore chaud, c'est le tome 1 de Toshikazu Kawaguchi. Désolée pour la prononciation. C'est un roman paranormal, science-fiction, contemporain avec une incursion de fantastique, je ne sais pas exactement. En fait, dans ce livre, on va avoir plusieurs histoires, 4 ou 5 je crois, et elles se déroulent toutes dans un café, et quand vous vous asseyez dans ce café, à un siège bien particulièrement, vous avez la possibilité de remonter dans le temps. Pour dire quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir dit, faire quelque chose que vous regrettez de ne pas avoir fait. Et vous avez le temps que votre café refroidisse pour profiter de ce moment dans le passé. Alors, j'ai entendu récemment qu'il était très répétitif, donc je crains un peu cet aspect des histoires, mais ça fait très longtemps que j'en entends parler, et du coup, ben, je me dis que ça peut être sympa, il est pas très très long, c'est écrit gros, on verra. Rôle numéro 5, peut-être le dernier. Ce ne sera pas le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un livre de la Fairy Loot. Encore une fois, je suis maudite. Je suis retombée sur la case Fairy Loot. Et en plus, on a fait un double. Donc on va ajouter un rôle à la fin des 5 qui sont prévus. Et pour un livre de la Fairy Loot, j'ai sorti The Prison Healer de Lynette Noni, le tome 1. Oui, je l'ai ressorti. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo. Dans cette histoire, on va faire la rencontre d'une jeune femme qui est soigneuse à la prison. Elle est dans l'attente de nouvelles de sa famille qui vit loin, vraisemblablement. Et un beau jour, la princesse qui vient d'être destituée et qui est dans un très très sale état est enfermée à la prison. Notre héroïne la soigne. Tant bien que mal, sauf que la princesse ou la reine, je ne sais plus, a été condamnée à participer à un tournoi de magie qui consiste en différentes épreuves de magie
élémentaires, des éléments. Et à ce moment-là, notre héroïne va recevoir un message de sa famille qui lui dit « Surtout, maintiens la princesse en vie, on arrive !» Donc notre héroïne, étant donné que la princesse n'est pas en capacité de participer à ces épreuves dont personne n'est jamais revenu vivant, va prendre sa place dans cette compétition. On a de la romance dans cette histoire et voilà, ça m'intrigue parce qu'il y a certaines pages qui sont noires à la fin. Donc je sais pas si vous allez voir, vers la fin il y a des pages noires. C'est la troisième fois au moins que je mets ce livre dans une pile. Espérons que cette fois-ci soit la bonne. Au numéro 6, en espérant que cette fois-ci ce soit bien le dernier. Oui, c'est bon. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une série terminée. Et pour le dernier rôle de cette pile des cartes du mois d'avril, qui m'oblige à choisir un livre qui fait partie d'une série qui est terminée, je me suis facilité la vie, un petit peu quand même. J'ai sorti une BD. Le tome 3 d'Aliénor, la légende noire d'Arnaud de Lalande et Simona Mogavino. C'est la légende d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà, j'ai lu les deux premiers tomes, je les ai beaucoup appréciés. J'adore découvrir l'histoire à mon âge. À l'école, je détestais ça, l'histoire, ça me faisait chier. Mais aujourd'hui, j'adore. Donc, ça me fait plaisir de découvrir notamment des destins de femmes, des destins tragiques en l'occurrence. Et donc là, j'en suis déjà au tome 3 et j'ai les tomes 4, 5 et 6 également dans ma pile. Si ça se trouve bien lancé, je vais terminer la série. En tout cas, pour l'instant, c'est bien le tome 3 qui est dans ma pile des cartes. Voilà ma pile des cartes pour le mois d'avril, mais nous n'en avons pas terminé puisque une et deux lectures VO, c'était pas assez. Je vais quand même tirer ma lecture bonus en VO. Je vous avoue que si je réussis à la lire, ce sera un miracle. Hein. Du coup, je passe au tirage de ma lecture bonus en VO. 18. Beasts of Prey. Et ce sera le tome 1 de Beasts of Prey, Diana Gray. C'est un livre que j'ai reçu en bonus dans une Fairy Loot. C'est marrant parce que du coup, voilà, c'est un livre bonus pour une lecture bonus. Et j'ai déjà tiré deux titres des Fairy Loot précédentes. Donc je trouve ça cool. Il est très très beau. Il y a les yeux du serpent qui brillent. C'est de la fantasy dans laquelle deux personnages que vraisemblablement rien ne prédestinait à se rencontrer vont devoir coopérer pour se débarrasser d'une menace qui a envahi la ville. Il est question d'un zoo, il est question d'une créature monstrueuse. Voilà. Ça a l'air sympa, il est plus long que je pensais, mais comme c'est un petit format, ça devrait aller vite. On verra. En tout cas, voilà, c'est comme dit une lecture bonus, donc je ne suis pas obligée de le lire au mois d'avril. Ça prend un peu de hauteur. Et ce n'est pas fini. Parce qu'au mois d'avril, il y a le Spring Equinox Magical Readathon de G. Vous savez que je participe au Magical Readathon depuis sa création il y a quelques années déjà. Peut-être pas la première année, mais peut-être depuis la deuxième année, je pense. À la base, le Magical Readathon était un marathon de lecture créé par G de la chaîne Book Roast. Je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. C'était un marathon de lecture inspiré par l'univers d'Harry Potter. J.K. Rowling étant telle qu'elle est, G a eu bien raison de se détacher un petit peu de cet univers d'Harry Potter et a créé un univers complètement à elle de A à Z. C'est un univers phénoménal, mais globalement la structure du marathon est la même, plus ou moins, que celle du Magical Readathon d'origine. En gros, pour le Spring Equinox, donc l'équinoxe de printemps, tout le mois d'avril, on est enfin arrivé à notre académie de magie et on doit choisir une carrière. J'ai choisi la carrière de nécromancienne, parce que je trouve que c'est trop cool, mais je crois que c'est la carrière pour laquelle il y a le plus de matière à étudier. Au total, il y a 8 matières que je dois étudier au mois d'avril pour obtenir mon diplôme de nécromancienne. 8 matières égale 8 livres. 8 critères de sélection de ces livres. Et il n'y en a que 7 dans ma pile des cartes, enfin 6 dans ma pile des cartes, plus ma lecture bonus en VO. J'aurais peut-être pu inclure ma lecture bonus en VO. Non, c'est pas grave, c'est très bien comme ça.
Réfléchis maintenant, mais non, non, ça ira. La première matière que je dois étudier, enfin, je peux les étudier dans l'ordre que je veux, mais dans la liste, elle était notée en premier. La première matière que je vais étudier au mois d'avril pour devenir nécromancienne, c'est la métamorphose. Et pour cela, je devais lire un titre avec un animal qui a des griffes sur la couverture. Des griffes. Et dans tous les livres que je vous ai montrés là, il n'y en avait aucun. Donc, j'ai dû sortir un autre titre de ma pile pour compléter ce critère. Heureusement, j'avais moyen de me faciliter la vie. J'ai sorti l'Encyclopédie des animaux fantastiques de Vanessa Calico, L.A. Brown et H. Collard aux éditions du Héron d'Argent. C'est un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent que j'aime énormément. Et on est d'accord que le griffe a des tigres. Ce tigre a des griffes. Voilà, donc ça marche. Un titre de plus que je devrais lire au mois d'avril. La deuxième matière que je vais étudier, c'est la zoologie, et pour cela, je dois faire une lecture rapide. Pour moi, une lecture rapide, c'est moins de 200 pages. Donc, j'ai inclus Aliénor, la légende noire, le tome 3 d'Arnaud Delalande et Simona Mogavino. La troisième matière que je dois étudier, c'est l'inscription. C'est le fait d'écrire, de graver, en fait, tout simplement. La gravure, on va dire. Ça peut se traduire par la gravure, ouais, pourquoi pas. Et pour cette matière, je dois lire un livre intimidant. Et pour moi, un livre intimidant, c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Et il y en a un dans ma palle des cartes qui fait plus de 500 pages, mais je vais en avoir besoin pour un critère futur. Donc, j'ai dû sortir un autre livre de plus de 500 pages de ma pile à lire, et on va dire que c'est un mal pour un bien, parce que celui-ci me fait de l'œil depuis qu'il est sorti en VO. Et on va pas s'attarder sur l'identité de l'auteur. Sans trouble, le tome 5 de Common Strike de Robert Galbraith. Il me fait trop 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 envie. Je viens de voir la saison 4 à la télé, donc l'adaptation de... Il y a une histoire de cheval. Little White, c'est ça? Donc blanc mortel, je crois, le nom en français. Voilà, donc j'ai très 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 hâte de retrouver Robin et Cormoran dans ces nouvelles aventures. C'est un polar dans lequel on va suivre Common Strike, qui est détective privé et qui va mener des enquêtes, tout simplement, aidé de son assistante, son associé, Robin, qui est une jeune fille qui est arrivée là un peu par hasard dans le tome 1 parce qu'elle avait besoin d'un boulot et que l'agence d'intérim l'a envoyée en tant que secrétaire chez Cormoran, sauf que ben voilà, leur relation va beaucoup 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 évoluer au cours des tomes. Et là, je suis trop 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 hypée par ce titre, parce que dans le tome 4, chaque enquête est différente, chaque tome est différent parce que l'enquête est différente, mais on suit quand même voilà, la relation vraiment très 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 chouette qui s'installe et qui évolue entre Robin et Cormoran. Donc j'ai très 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 hâte de le lire. Je vais essayer de ne pas le privilégier par rapport à ma palle des cartes, mais je vous promets rien parce que franchement, je crois que c'est celui qui me fait le plus envie de tous les livres que je vous ai montrés jusqu'à présent. La prochaine matière que je dois étudier pour devenir nécromancienne, c'est sortilège et incantation. Et pour cela, je dois lire un essai, un documentaire ou bien une compilation d'histoires courtes, un recueil de nouvelles. Le seul recueil de nouvelles qui me faisait un peu envie, c'était un truc de Noël, et j'avais pas forcément envie d'un truc de Noël en ce moment. Donc j'ai sorti, je crois bien, le seul documentaire que j'ai dans ma pile à lire, et qui me fait de l'œil depuis très longtemps, mais qui fait aussi partie des livres qui m'intimident. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la catégorie précédente, parce que je savais que j'en aurais besoin là. C'est Le Monde antique de Harry Potter. Il y a comme une concordance de Blandine Le Callais. C'est une encyclopédie illustrée de où l'autrice est allée chercher son inspiration dans la mythologie, pour les termes, pour les décors, pour les personnages, etc. Voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir tout ça, mais ça promet d'être très dense. Voilà, ça fait un peu dictionnaire, en fait, tout simplement. Je pense que, à mon avis, celui-ci, je vais le prendre tout au long du mois d'avril, par petites touches. Genre, je vais faire une lettre par jour. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Il y a 30 jours au mois d'avril. Ça peut être une bonne idée de fonctionner comme ça.
Purée, je m'épate moi-même. Même fatiguée, j'arrive encore à réfléchir à des trucs intéressants. Donc je vais peut-être faire ça comme ça. Ma prochaine matière, c'est la conjuration. Et pour cette matière, je dois lire un titre qui a une source de lumière sur sa couverture. Et il y a une lampe sur la table de tant que le café est encore chaud. Donc, j'inclus celui-ci. Pour la restauration, la matière qui consiste à réparer, et non pas à se restaurer, à manger. Donc la matière qui consiste à réparer, restaurer. Je dois lire un livre dans lequel il y a des soigneurs. Donc, j'ai introduit The Prison Healer de Lynette Noni. C'est pour ça que je l'ai ressorti de ma pile à lire. L'avant-dernière matière que je devrais étudier au mois d'avril, c'est les traditions. Et pour cela, je dois faire une lecture inspirée par la mythologie. J'ai donc sorti Circé de Madeleine Miller. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans la catégorie du livre intimidant, parce que j'en avais besoin là, pour la mythologie. Et ma dernière matière, c'est la démonologie, et pour cela, je dois lire un livre avec le mot « shadow » dans le titre. The Shadow Between Us, The Shadows Between Us, de Tricia Levenseller. C'est pour ça que j'ai sorti celui-ci et pas un autre, parce que vous savez qu'il y en a un de la Feral Loot qui me fait très 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 envie depuis longtemps. Le tome 2 de This Violent Light, mais non, toujours pas. Un jour, peut-être. Voilà donc ma pile à lire pour le mois d'avril. Les seules lectures que je devrais obligatoirement, entre guillemets, lire, ce sont les livres de la Palle des Cartes, c'est-à-dire Aliénor, le tome 3, The Prison Healer, The Shadows Between Us, Indiana, Tant que le café est encore chaud, et Circé. C'est les seuls que je dois lire obligatoirement. Et encore, voilà. Je vais poser ça parce que c'est très lourd. Je vous ai dit au début de cette vidéo que je n'avais pas réussi ma pile des cartes du mois de mars, mais je vous ai pas du tout parlé de châtiment. Voilà, comme dit, même si je ne m'en trouve pas, j'ai des excuses. Donc pas de châtiment pour le mois d'avril, même si je n'ai pas réussi ma pile des cartes. D'ailleurs, je pense pas que ce sera un concept que je vais continuer à utiliser. J'ai pas spécialement envie de me punir parce que la vie est parfois suffisamment chiante comme ça, sans se rajouter en plus des pénalités. Donc, on va, je pense, abandonner les châtiments. Si vous, c'est quelque chose qui vous fait marrer, ben, n'hésitez pas à continuer à les utiliser pour vous challenger un peu, peut-être. Moi, je trouve que, vu la quantité de livres que j'ai prévus au mois d'avril, c'est déjà suffisamment un bon gros challenge. D'ailleurs, on va dire que c'est ça, mon châtiment, c'est d'essayer de lire tous ces livres. J'ai aussi décidé qu'à partir de maintenant, si dans le courant du mois, il y a un livre de ma pile des cartes ou en plus, hein, parmi la quantité là, je crois qu'il y en a 10, 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 10 au total. D'habitude j'en lis 5, peut-être 6. Depuis le début de l'année, je tourne plus autour des 9, donc techniquement ce serait jouable. Mais si au cours du mois, il y en a un qui me dit vraiment plus rien du tout, j'ai le droit, je m'autorise à changer de livre du moment qu'il remplit bien le critère pour lequel il a été sélectionné. C'est-à-dire que ben, Indiana, par exemple, je serais obligée de le lire, je peux pas le changer, puisque c'était Random Pick Livre Addict. Donc là, celui-là, c'est le seul que je pourrais pas changer. Et The Shadows Between Us, c'est le seul livre avec le mot ombre que j'ai. Si, je crois. Il me semble que c'est le seul livre avec le mot ombre, que ce soit en français ou en anglais. Je suis obligée de sortir celui-là. Après, je peux aussi tricher et décider d'emprunter un album à la médiathèque avec le mot ombre. Hein. Mais bon, on va essayer de, dans la mesure du possible, la jouer franc-jeu. Voilà. Mais sachez que il est probable que les livres que je vous montre aujourd'hui ne soient pas les mêmes que ceux que vous verrez dans l'update lecture ou dans le récap de la pale pour la prochaine vidéo pale des cartes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. J'ai oublié de vous signaler également que je ne prévois pas forcément de lecture commune pour le mois d'avril, mais si vous avez envie, si vous êtes plusieurs à avoir envie de faire une lecture commune, je peux tout à fait créer le salon sur Discord pour que vous puissiez échanger. Seulement, vu la quantité de livres et vu mon emploi du temps dans ma vie pro actuellement, ça me semble pas facile et pratique pour moi de programmer
des lectures à des moments précis. Vu la quantité de livres que je suis censée lire en plus, je pense que ça va plus être du au feeling, piocher au feeling, que attendre une date précise pour commencer un livre et lire tant de pages par jour obligatoirement. Donc pas de lecture commune pour le mois d'avril, enfin en tout cas pas avec moi, mais comme dit, n'hésitez pas si vous avez envie d'en faire une quand même, de me le dire et je créerai le salon pour que vous puissiez entre vous échanger. Et puis moi ça me permettra aussi quand même de vous suivre dans vos commentaires et puis voilà. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.